les disciples de Jésus ont franchi la porte de la foi en prenant au sérieux le commandement nouveau. La lumière de Pâques continue de briller pour nous aussi. Dans la joie de son esprit, célébrons la vie nouvelle qu'il nous apporte. Je vous invite à vous lever. Bienvenue à ce cinquième dimanche de Pâques. Nous voilà encore dans cette belle montée pascale, ce beau cheminement et cette lumière de ce printemps qui nous illumine de toutes ces belles couleurs. Et en même temps, bien, nous avons à célébrer aujourd'hui dans la communauté différents événements. D'abord, nous sommes au lendemain de la belle soirée vécue pour le souper à la Cité des Jeunes, où nous avons été plus de 800 personnes à nous retrouver dans ce moment fraternel. Alors, bravo à toutes les personnes qui ont répondu à cette belle invitation fraternelle et de soutien pastoral en lien avec le Club Optimiste et les membres de la paroisse Saint-Michel. Également, ce matin, nous accueillons aussi des futurs confirmants. Alors, bien sûr, avec les animateurs, Emmanuel, Jonathan et Geneviève, alors j'invite les membres animateurs à venir dire un tout petit mot pour les futures préparations actuelles. Alors, bonjour. Je me présente. Mon nom est Geneviève. merci. Je suis accompagnée de mon mari Jonathan et de ma bonne amie Emmanuel. Alors, ça fait plusieurs années que nous sommes animateurs pour le parcours des confirmations pour les jeunes adultes. Alors, ce matin, nous accompagnons un groupe de 15 adultes qui se préparent en fait à vivre leur confirmation qui va se tenir le 15 mai. Donc, c'est avec grand plaisir puis de les accompagner ce matin et d'être parmi vous. Merci, Geneviève. Alors, merci à Geneviève, Jonathan, Emmanuel pour cette catéchèse qu'ils accomplissent. On sait que dans nos communautés actuelles, il y a différentes formes catéchétiques. Aidé Christine le font au niveau des enfants d'âge scolaire. On a ici avec nos jeunes adultes, soit pour devenir parrain ou marraine, ou encore en vue du sacrement du mariage, et bien sûr pour le cheminement de la foi chrétienne. Également, je voudrais inviter Cédric qui vient nous dire un petit mot en rapport avec la semaine de la famille. Nous allons avoir un bel événement à vivre dans la communauté et au nom du conseil de pastoral, Cédric va nous adresser une invitation.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Cédric et puis le comité d'orientation pastorale, la paroisse, on va essayer d'organiser, en fait, on organise un beau dîner qui va suivre la messe du 15 mai dans le cadre de la semaine de la famille. Donc, pour cette journée exceptionnelle, le 15 mai, il n'y aura qu'une seule messe à l'église Très-Sainte-Trinité à 10h, qui sera suivie par la suite par une réunion des gens de la communauté, les familles, tous les membres qui ont envie de descendre avec nous en bas, puis de partager un repas. Donc, on demande à tous les gens d'amener un plat à partager pour mieux apprendre à se connaître, puis profiter, comme Normand disait, de la semaine de la famille. Merci. Alors, venez nombreux, festoyez comme famille chrétienne et on verra. Peut-être qu'on aura beaucoup de sandwichs ou beaucoup de salades ou autre, mais on va partager ensemble et ça sera agréable. Alors oui, ce matin, ensemble, unissons-nous. Vous avez peut-être remarqué, malheureusement, nous avons eu un problème technique qui fait qu'on ne peut avoir notre tableau de présentation des prières ou des lectures. Alors, mille excuses, merci de votre compréhension. Alors, nous essaierons d'être encore plus attentifs, soit par notre écoute, notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Le Seigneur ressuscité est source de vie nouvelle. Qu'il fasse sa demeure au milieu de vous et qu'il soit toujours avec vous. Alors nous poursuivons avec cette demande en cette année de la miséricorde où nous devons toujours à nos célébrations nous tourner vers le Seigneur pour invoquer sa miséricorde. Notre foi au ressuscité peut transformer nos épreuves en chemin de joie et d'espérance. Nos limites font parfois obstacle au projet rassembleur de Dieu. Pour aller de l'avant vers la terre nouvelle, implorons la miséricorde divine. Seigneur Jésus, tu es pour nous la présence constante de Dieu. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous proposes de vivre à la manière, l'amour mutuel. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous prépares une place dans la création renouvelée. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la lumière de la vie nouvelle et éternelle. Amen. Thank you.
Nous laissons monter vers notre Dieu de miséricorde, d'amour, notre prière. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, lui qui règne en abondance, par l'amour et la paix du Père et de l'Esprit Saint, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Paul et Barnabé, revenus à Iconium et à Antioche de Pisidie, affermissaient le courage de ses disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent vers Attalia et prirent le bateau jusqu'à Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient maintenant d'accomplir. À leur arrivée, ayant réuni les membres de l'Église, ils leur racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations païennes la porte de la foi. Parole du Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu
et il n'y avait plus de mer. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête, comme une fiancée parée pour son époux. Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône de Dieu. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort n'existera plus. Et il n'y aura plus de pleurs, de cris ni de tristesse, car la première création aura disparu. Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que j'ai fait toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire et la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile d'aujourd'hui nous replonge en plein Jeudi Saint, selon l'évangéliste Jean. Et au cours de ce dernier repas, Jésus démontrera et dira beaucoup de choses à ses apôtres et pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans la partie qu'on appelle les adieux de Jésus, une sorte de testament. Avez-vous retenu comment reconnaît-on un disciple de Jésus? C'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Quel beau défi pour nous, hein? Quel beau défi pour nous. Cette proposition de Jésus comme signe d'appartenance se retrouve entre deux faits étonnants. D'une part, elle est après que Judas fut sorti afin de livrer Jésus, et d'autre part, avant l'annonce de Jésus à Pierre de son reniement. Quel contexte très joyeux pour Jésus, hein? Deux contextes un peu, dans un contexte assez étrange.
Entre ces deux drames qui se profilent, Jésus prend le temps d'enseigner une vérité de foi, le commandement nouveau. Jésus dit, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Les disciples devront aimer Pierre qui a renié Jésus et devront aimer Judas qui a livré Jésus parce que Jésus les aime. Pour nous, comment vivre ce commandement nouveau dans notre vie de foi sans perdre l'espérance en Dieu et l'espérance dans l'autre? Parce que aimer l'autre à la manière de Jésus peut être pour certains d'entre nous un défi. En tout cas, il l'est pour moi. Il l'est pour moi. Mais comment y arriver? Selon moi, il faut replonger dans le Jeudi Saint selon l'évangéliste Jean. Et le tout premier geste que Jésus démontrera dans ce dernier repas sera le lavement des pieds. Et le lavement des pieds est un geste qui est réservé à l'esclave. Ce geste est maintenant élevé comme signe de la miséricorde de Jésus envers ceux qu'il aime. Oui, un signe de miséricorde, car Jésus lave les pieds de ses disciples qui vont tous l'abandonner, à Pierre qui le reniera, à Judas qui le livrera. C'est alors que Jésus leur dira dans ce repas, « Comprenez-vous ce que je viens de faire? » Vous savez, l'un des buts du jubilé de la miséricorde cette année est, selon moi, est de comprendre comment devenir miséricordieux comme le Père et de le rester. Quel beau défi pour nous! Être miséricordieux comme le Père, c'est également vivre le commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Un commandement nouveau avec une seule consigne. Et je la traduirai ainsi. Devenir ce que Jésus nous enseigne. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Mais comment y arriver? Répondre à cette question, c'est aussi facile que de répondre à une question que mon épouse me demanderait devant ma belle-mère, ma mère, mon père, mes enfants, quand elle me servirait une bonne assiette de la tourtière du lac Saint-Jean. Hein? Puis elle dirait, laquelle tu préfères? Comme il n'y a personne d'ici à part elle, je vais répondre, c'est la tienne, ma chérie, bien sûr, ou bien la nôtre, hein? C'est plus simple comme ça. Mais avez-vous déjà essayé d'aimer une personne, comme on dit au lac Saint-Jean, pas aimable? T'sais, un grincheux, un fatiguant, un tannant, t'sais, ce qui nous dérange tout le temps, hein? Avez-vous déjà essayé ça, vous autres? Non? Moi, j'ai essayé, mais c'est pas facile. Mais il y en a qui y parviennent, peut-être vous. Comment croyez-vous qu'une personne peut arriver à faire cela? Comment? L'Esprit Saint. Il dit l'Esprit Saint. Alors, parce qu'on est chrétien? Peut-être. Selon moi, il y a un truc infaillible. Aimeriez-vous le connaître? Ça vous tente-tu? Mais avant de vous le dire, je vous raconte comment cette certitude s'est présentée à moi. C'était lors d'un débat. Il y a un philosophe, un athée, un imam et un prêtre. Ils doivent débattre sur l'utilité de la présence de la religion, ou si vous voulez, de Dieu. Oui, on peut débattre sur Dieu, sur l'utilité de la religion, et c'est heureux. Alors, le prêtre disait, au sujet du mot « amour », dans la religion et au sujet de Dieu, on a mal compris le mot « amour ». Le mot « amour » ou l'amour de Dieu devrait être davantage identifié au mot « alliance » ou « relation ». Car quand on aime quelqu'un, ou quand on veut aimer une personne, on doit entrer en relation, en alliance avec elle ou avec lui. Je ne parle pas d'une relation physique, mais d'une relation de communion avec l'autre. Le cœur
est le lieu de l'alliance, nous dit le catéchisme. Alors, le truc pour aimer la personne pas aimable, un peu grincheuse, un peu fatigante, celle qui nous tente le plus, c'est de créer une relation avec elle. C'est d'entrer en relation avec elle. C'est de vivre une communion avec elle. Et cela, malgré tout le reste. Malgré tout le reste. Pas une relation pour s'en débarrasser, là. Une relation vraie. Un amour vrai. Un amour d'alliance. Au cœur de cette relation, l'amour fait alors toute chose nouvelle, nous dit l'Apocalypse. Vous savez, c'est un truc tout simple, mais qui est très exigeant. Car entrer en relation avec l'autre nous demande d'être miséricordieux comme le Père. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Si Jésus n'était pas entré en relation avec ses disciples, il ne les aurait pas choisis. Si Jésus n'était pas rentré en relation avec les malades, les exclus, les possédés, il ne les aurait pas guéris. Si Jésus n'était pas rentré en relation avec son peuple, il ne l'aurait pas sauvé. Mais pour bâtir une vraie relation, évidemment, il faut être deux. Deux à vouloir cette relation. Jésus a dit, quand deux ou trois seront réunis en mon nom, je serai là au milieu d'eux. Pour Dieu, il n'y a pas de doute. Il est là, il est présent. Il nous reste à répondre à l'appel de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous connaissez l'hymne à la charité de Saint-Paul? Cette hymne résume comment vivre cette relation, cette alliance avec l'autre et avec Dieu. Je vous cite un petit bout. Là, vous allez dire, ah, c'est ça qu'il voulait dire. L'hymne à la charité. L'amour prend patience, rend service, ne jalouse pas, ne fait rien de malhonnête, n'entretient pas de rancune, supporte tout, fait confiance en tout, espère tout. Vous la connaissez, hein? Vous la connaissez. Alors, quand vous aurez à bâtir une nouvelle relation ou entretenir la relation que vous aurez avec l'autre, vous repensez à cet hymne de Saint-Paul pour vous guider. Je donne également un aide-mémoire afin d'énumérer les différentes quêtes que l'amour peut nous apporter. Si par hasard vous les oubliez, vous direz « L'amour est miséricordieux. Miséricordieux comme le Père. » Je termine en vous citant le refrain de la chanson « Je voudrais » du paraître auteur, compositeur, interprète Robert Lebel qui dit « Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonné, les gens puissent se dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Suite à mes explications, je pourrais traduire ce refrain. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonné, les gens puissent se dire, voyez comme ils sont, voyez leur relation de bonheur. On chante ensemble le refrain. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonné, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Amen. Alors nous sommes devant un idéal que l'Évangile. Évidemment, une exigence, mais qui peut être rendue possible grâce à ce Dieu vivant, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Par ses propos tenus par Aidé dans cette homélie, retenons bien sûr que c'est un grand chemin où Dieu est relation et nous invite nous aussi à être relation les uns avec les autres. Alors ensemble, dans cet amour du Père, par la force de l'Esprit et bien sûr la présence même du Fils dans cette alliance qu'il a fait le jeudi saint jusqu'à nous aujourd'hui, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour que la joie de Pâques ouvre des chemins d'espérance et de nouveauté, modelons notre prière sur l'amour réciproque proposé par Jésus. Qu'advienne ainsi la terre nouvelle, illuminée par la présence miséricordieuse de Dieu. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Prions pour les adultes baptisés durant la nuit de Pâques. On pourrait dire aussi pour ceux qui vont recevoir la confirmation. Qu'ils vivent la force de transformation de la foi chrétienne. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Prions pour les associés des communautés religieuses, que les hommes et les femmes qui les composent maintiennent et actualisent leur œuvre de bienfaisance. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Prions pour les gens qui, en certaines régions du monde, partagent notre foi au péril de leur vie, que leur espérance en vue d'une création nouvelle leur inspire de la force et du courage. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Prions pour les personnes engagées dans le développement durable, qu'elles perçoivent l'élan neuf donné à la création par la résurrection de Jésus. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Prions pour les membres de notre communauté chrétienne, qu'ils vivent chaque jour davantage le commandement nouveau de l'amour réciproque. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Et pour ce dimanche, pour la terre, pour la journée de la terre, prions pour tous ceux et celles qui ont à cœur la survie de notre planète, que leur effort soit reconnu afin que nous protégions la vie et la beauté. Seigneur, fais-nous voir ton amour. C'était cette semaine les 100 ans, l'anniversaire du couvent, c'est-à-dire le lieu où les religieuses, les sœurs de Sainte-Anne, ont fondé ici même, dans notre milieu, de la paroissiale. Alors pour ces religieuses qui aujourd'hui continuent à donner éducation, amour et miséricorde dans toutes leurs œuvres, et bien sûr, pour les familles de réfugiés syriens que nous accueillerons éventuellement dans la région pastorale. Et pour toutes les intentions qui nous unissent ce matin tous ensemble. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Dieu notre Père, la résurrection de Jésus, ton messager, nous ouvre des horizons nouveaux. Que notre engagement quotidien à le suivre fasse avancer le monde jusqu'à ton amour infini. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèle par toute notre vie. Par Jésus, lui, l'amour du Père, la force de l'Esprit-Saint et l'alliance de cette Trinité sainte, qui règne aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François en cette année de la miséricorde qui sied bien avec cette liturgie et cette parole d'aujourd'hui, avec notre évêque Noël, avec tous ceux et celles qui ont la charge au sein de ce monde et cette humanité, de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Et nous prions en particulier pour Marianne Pilon, pour les parents défunts des familles Ménard et Roson, pour Jackie Simone Baya Ngang, également pour Séraphin Cordero, pour Yvon Bissonnette et pour Gérald et Laura Brouillard en ce premier anniversaire. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'amour de Jésus, le Christ pour l'humanité, va de pair avec sa relation profonde qu'il a avec le Père et par la force de l'Esprit. Ainsi, aujourd'hui, si nous sommes capables de nous adresser au Père, c'est grâce à ce lien du Fils, du Père, de l'Esprit. Disons ensemble d'une même voix, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aimez. Que la paix soit avec vous. Et partout. Et partout. Que la paix soit avec vous.
Heureux et heureuses sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole et je serai guéri. Thank you.
quelques annonces, nous recommandant vos prières. Monsieur Claude Bessner, 71 ans, époux de Madame Lise Brisebois. Les funérailles ont été célébrées vendredi 22 avril à l'église Saint-Michel. Madame Monique Arbeck, 74 ans, épouse de Monsieur Peter Hudson. Les funérailles ont été célébrées samedi 23 avril à l'église Très-Sainte-Trinité. Monsieur Guy Touin, 66 ans, les funérailles seront célébrées samedi le 30 avril à 14h à l'église Saint-Michel. Il y aura accueil par la famille à compter de 13h. Finalement, Monsieur Richard Boyer, 60 ans, les funérailles seront célébrées samedi le 7 mai à 11h à l'église Saint-Michel. Il y aura un temps d'accueil par la famille à compter de 10h. Merci de prier pour les personnes qui vivent le deuil. Nous l'avons dit avec Cédric au début de la messe, mais on vous le rappelle, dimanche le 15 mai, à 10h à l'église Très-Sainte-Trinité. Très-Sainte-Trinité, nous invitons toutes les familles à y participer pour le rassemblement familial. C'est régional, c'est juste parce que paroissial. C'est paroissial. Paroissial. Mais s'il y a d'autres personnes qui viennent de la région, oui, sont les bienvenus. Tous bienvenus. Tous bienvenus. 800 personnes, ça me suffit. Bon, c'est bien. Alors, veuillez prendre note qu'il n'y a pas de messe ici à la Notre-Dame. Une seule messe dimanche à la paroisse ici à 10h. Merci d'apporter votre repas pour le partage. Le partage. Le partager. Vous avez besoin de sortir ce mot-là? Le partager. Merci. Autre nouvelle, M. le curé? En fait, concernant justement cette messe familiale partagée, alors ce sera également avec la messe, c'est sur la télé. Alors donc, je pense que c'est important de savoir qui nous accompagne tous les dimanches. À cet égard, je pense merci de votre belle collaboration, je pense avec la directrice, Mme Chantal Bédard, dont nous avons eu à faire des collaborations. Écoutez, ça fait déjà plusieurs semaines que nous faisons cette belle expérience. On espère la poursuivre longtemps. Dans quelques semaines, bientôt, on parlera précisément des communications sociales et de cette importance de cette fenêtre ouverte dans nos maisons grâce à notre foi communautaire. Alors voilà. Et enfin, bien sûr, je pense qu'on le sait, encore une fois, bravo pour cette réalité d'hier soir qu'on a vécue en termes communautaires. Je suis toujours impressionné avec le beau temps qu'on avait. Bien, vous avez réussi à vous trouver tous ensemble à être là à la Cité des Jeunes. Et bien entendu, bonne préparation à tous nos jeunes, avec bien sûr les animateurs, que ce soit ici, avec aussi, on a également pour les baptisés les adultes, avec Fernand et Ginette Dallaire, pour la région pastorale qui s'en occupe au niveau catéchétique. Monique. Oui. Merci, Monique. Alors, on a toujours besoin, merci Monique, c'est essentiel. Cet après-midi, comme on le sait, nous avons notre célébration de l'onction des malades à 14h30. Alors, c'est un moment important. Vous êtes tous bienvenus. Alors, qui peut recevoir cette onction? Toute personne, par son baptême, qui désire avoir besoin de cette onction, de la tendresse de Dieu. Ce moment qui est un sacrement, où on demande que l'Esprit-Saint nous aide, qu'il nous pardonne nos misères, nos péchés, qu'il nous guérisse. Alors, on peut toujours la recevoir, non pas à l'extrême fin de la vie, mais tout au long de la vie. Alors voilà, soyez bienvenus cet après-midi, ici même. Oui. Oui. Moi, j'ai vu. Ben oui, on pourrait lui demander de se lever. Ben oui, nos futurs confirmants. Oui. Alors, bravo à vous. Et ils recevront ce sacrement, donc, vers le temps de la Pentecôte, avec Mgr Simard, notre évêque du diocèse, également. Alors, vous invite tous à vous lever et prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu toute puissance, tout amour, toute miséricorde vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs,